Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 6 mai et il est 16h30 et quelques. Comment va se passer cette semaine? Bien, j'espère. Déjà, on reprend des horaires plus ou moins normaux, dans le sens où je fais 7h midi. Bon, techniquement, je suis pas censée prendre aussitôt, mais on va pas s'en plaindre parce que ça me laisse le reste de l'après-midi, mais du coup je fais 7h midi jusqu'à jeudi et vendredi je fais 11h-16h. Donc c'est vendredi potentiellement que je vais pouvoir le moins travailler, mais malgré tout je vais pouvoir quand même bien bosser le reste de la semaine comme je finis à midi quasiment tous les jours. Donc ça déjà c'est un bon point. Voilà. Quels sont les objectifs de cette semaine? Il y en a un, il est juste là pour aujourd'hui comme objectif, puisqu'il faut que je termine impérativement mon compte rendu de bêta lecture aujourd'hui, que je l'envoie et voilà, que je fasse le petit mail et tout et tout. Donc ça c'est pour aujourd'hui impératif, donc je vais vous dire après, mais je suis quasiment sur la fin. Et sinon, plus pour la semaine, il faut impérativement que je finisse mes deux fiches de lecture cette semaine pour les murmures littéraires. Donc j'en ai une où il reste une dernière section à écrire et à relire, mais en vrai je suis plutôt confiante sur ma fiche lecture, donc je pense que j'aurai pas besoin de trop de relecture. Et du coup pour l'autre texte, il faut que je finisse de le lire, il me manque plus d'une vingtaine de pages, à peine plus, je crois que c'est 24 ou 25 pages. Et il faut que j'écrive la fiche, quoi. Voilà. Ça va être les objectifs principaux. Et ensuite, en fonction de comment je le sens, je vais essayer d'avancer aussi sur mes alpha lectures. Dans l'idéal. sinon, voilà. Et après, le reste, bah, c'est écriture. Et j'aimerais bien avancer un peu plus sur la réécriture de The Matchmaker. Parce que, mine de rien, le temps tourne. Voilà. Ouais, c'est tout niveau objectif. Du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, donc déjà, bah, comme je prends 7h, j'ai rien le temps de faire avant de partir au boulot. Déjà, donc une fois que j'ai eu mangé, en fait j'ai attaqué du coup la fin du montage du vlog et le compte rendu de BL quasiment directement. J'ai fait quasiment que ça de l'après-midi, je crois. Parce que j'avais eu le temps de monter que la moitié du vlog hier et que j'ai eu du mal à avancer sur mon compte rendu. Donc là je pense que je suis quasiment sur la fin, je vais attendre que mon vlog s'exporte bien correctement pour lancer Antidote, parce que j'ai peur que soit Antidote fasse merder le logiciel de montage, soit que le logiciel de montage fasse bugger Antidote. Parce qu'Antidote est quand même capricieux aussi des fois. Donc voilà, comme il ne me reste plus que ça, je vais attendre un petit peu. Et voilà. Mais normalement, il ne me reste plus qu'à le relire, grosso modo, le compte-rendu. Je pense que j'ai fait mon max. Voilà, c'était pas une bêta lecture facile, surtout dans cette prestation-là, cette bêta lecture simple. Voilà, je vous l'avais dit, je crois, dans le précédent vlog, une BL approfondie aurait été peut-être plus facile, surtout pour moi. Bah, remarque, ça aurait été plus judicieux pour l'auteur dans le sens où il aurait eu encore plus de pistes pour améliorer son roman, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait mon max avec la seule lecture que j'avais et du coup les seules infos et compréhensions que j'avais avec cette seule lecture. Voilà, on a fait son max. Voilà, là le montage est en train de s'exporter. Enfin, le vlog est en train de s'exporter. Je sais pas, je suis pas sûre que le vlog sorte à l'heure, mais c'est pas grave. Là, du coup, en attendant que le montage finisse, le vlog finisse de s'exporter, j'ai du mal. Je vais essayer de faire mon post Insta vite fait. Et comme ça, bah après, je verrai selon comment j'avance, parce que à 17h30, il faudrait que je 17h30-45, il faudrait que je décolle de chez moi. Parce qu'il faut que je passe chez ma mère récupérer les plantes qu'elle a mis de côté pour moi, pour mon jardin.
Il faut que j'aille à l'animalerie du coup chercher les croquettes des chats parce qu'il en reste plus tant que ça. Il faut que j'achète aussi 2-3 petits trucs et que j'aille chercher mon drive. Tout ça. Et mon drive, j'ai mis entre 19h et 19h30. Sachant que je reprends à 7h demain, je vais essayer de pas le chercher trop tard. Donc voilà, je me suis dit une heure pour enfin 1h15 pour aller chercher pour aller faire tout ce que j'ai à faire, je pense que c'est pas déconnant. Donc ouais, là il me reste une heure pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc dans l'idéal, dans l'important, c'est enfin, de mettre le vlog en ligne, ma BL et le post Insta. Si j'ai le temps, je pense que je vais plutôt écrire la dernière section de la fiche de lecture que j'ai commencée. Comme ça, au moins, elle est terminée. Parce que je pense que ça peut aller vite. Je sais plus laquelle il me reste. Mais je pense que ça peut aller vite. Donc tant qu'à faire. Parce que je suis pas sûre, en moins d'une heure, plus tout ce que j'ai à faire, d'avoir le temps de lire les 25 dernières pages. Alors qu'une section, ça peut peut-être se faire, quitte à ce qu'il me reste plus que la relecture vite fait demain. Ça peut se faire. Donc on va essayer de faire ça. Niveau lecture, cette semaine, je pense qu'on va rester sur le Hakotar, sauf si j'ai envie de me lancer un audiobook. Mais sinon, on va essayer de finir. Enfin, finir, je sais pas, mais on va essayer d'avancer au max Hakotar et de pas se laisser tenter par d'autres lectures, au maximum du moins. Histoire qu'on finisse cette saga enfin. Et puis voilà. Au niveau recettes, on est encore sur des cookies cette semaine. J'ai envie de tester du coup, comme j'ai acheté du matcha ce week-end, j'ai envie de tester des cookies matcha chocolat blanc. Voilà, trop hâte de tester. En plus, c'est le même site que les cookies framboise chocolat blanc. C'est à peu près la même recette, enfin avec le même type d'ingrédients et tout. Donc je pense que niveau texture, ils vont me plaire. Je suis assez sereine là-dessus. Juste faut pas que je me loupe sur la cuisson, mais je pense que ça peut être bon. Donc trop trop hâte de tester et j'ai pas pris le pot à solo date cette fois. On n'y pense pas toujours. Il va vraiment falloir que je pense à faire le plein. Bah il reste deux papiers je crois. Je vais essayer de pas trop regarder parce que deux ou trois. Deux. Bah, je suis pas sûre que le temps le permette, mais on verra bien. Parce qu'en vrai, ça peut être grave cool. Parce qu'en plus, ça fait. J'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines d'affilée. Bah, ouais, quasiment. Qu'à chaque fois, je sors le week-end, que je rentre tard et que du coup, ça bousille un peu mon week-end, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est un peu. J'ai l'impression d'avoir des week-ends un peu intenses ces derniers temps, plus en plus le jardin dont je dois m'occuper. Donc ouais, c'est assez voilà. Enfin, c'est pas reposant quoi. Parce que je suis sortie le week-end dernier, je suis sortie le week-end d'avant. L'anniversaire de mon beau-père, je sais pas si c'était le week-end encore d'avant ou 2 semaines avant, mais bref, ça fait potentiellement 2 semaines qu'à chaque fois je sors et je rentre tard, voire 3 semaines. Donc j'ai l'impression de ne pas arrêter. Et techniquement, ce week-end, j'ai rien de prévu pour l'instant. Donc là, ça sera parfait. Donc du coup, ce serait bien que je vous le lise. C'est aller lire dans un parc ou au bord d'un lac. Je pense que si je fais ça, je ne prendrai pas à Cotard. Je pense que je prendrai plutôt l'un de mes derniers papiers qui me reste. Voilà. Mais ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Pour l'instant, on est de retour en alerte inondation. Je croise les doigts pour mes garages. Enfin, pour mon garage, mais globalement le sous-sol. En espérant qu'on ne soit pas inondé à nouveau. Voilà. Parce que la dernière fois, on a mis 2-3 semaines à sortir toute l'eau. Donc voilà. Donc je crois que mercredi, il fait beau. Mais je sais pas pour la fin de la semaine et je suis pas très optimiste, disons. Justement, j'ai prévu d'essayer le mercredi d'avancer un peu mon jardin, quitte à ce que je travaille un peu moins. Parce que j'ai
des plants de fraises qui commencent à faire la gueule concrètement. Parce qu'il faut vraiment que je les plante. Mais là, ma mère m'a filé un coup de main. On a retourné la moitié du jardin, mais il manque l'autre moitié malheureusement. Et comme en fait, c'est un jardin qui, je pense, depuis que l'appart est là, il a quasiment jamais été entretenu. Du coup, les racines sont imposantes. Il y a beaucoup d'herbes. Donc voilà, on verra pour le solo date. J'espère qu'il fera assez beau pour que ça se fasse, mais on verra bien. Et puis du coup, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Ouais, donc j'allais vite me remettre au travail. Petite update, on est mardi 7 mai et il est bientôt 19h. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je suis un peu éclatée. La journée a été longue, je suis vraiment un peu KO, mais elle a été super productive. Je vous ai fait l'update assez tôt hier, donc je vais reprendre déjà hier. Je crois que je vous ai fait l'update donc quand j'étais en train d'exporter le vlog. Donc du coup j'ai mis en ligne le vlog, mais genre un peu tard, parce que du coup le temps que ça se upload sur YouTube, ça a mis du temps. J'ai dû le sortir vers, je crois, en rentrant de mes courses, donc il devait être quasiment 20h je pense. J'ai mis mon post Instagram pendant que ça s'exportait et j'ai fini ma bêta lecture. Je l'ai envoyé à l'auteur et avec la facture et tout. Donc du coup voilà, c'est une chose de fait, c'est une deadline terminée et respectée. J'espère que ça ira, j'espère que j'aurai un retour de sa part pour savoir voilà si ça va. Mais voilà, une bonne chose de fait. C'était un peu la pression, comme en plus c'était une bêta lecture compliquée, mais voilà, je suis contente. C'est une bonne chose de terminer.
Et puis, je crois que c'est tout hier parce que juste à... il me restait peu de temps avant de partir et j'ai dû à peine commencer la section de la fiche qui me restait. Et après, j'ai rien fait d'autre parce que je suis partie. Il fallait que je passe chez ma mère pour récupérer mes plantes et il fallait que j'aille récupérer mon drive. Donc, le temps de rentrer, de manger, bah, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et j'ai lu deux chapitres d'Akotar hier, ce qui fait que je crois que je suis à 66%. Attention! Il me semble que c'est ça. C'est ça, 66%. Voilà pour hier. Du coup, aujourd'hui, je streamais cet après-midi. Donc, du coup, j'ai fait un côté un peu administratif avant le live. J'ai déclaré pour l'URSSAF, pour la prime d'activité. Je me suis pas encore mise sur mes impôts, mais je me suis dit, j'aurai pas le temps juste avant le stream, concrètement. Je pense que je m'y mettrai peut-être demain. Je vais essayer demain. Vous voyez la motivation ou... Non mais je me dis, il faut que je m'y mette parce que... En plus, comme la semaine prochaine, je pars à Paris 2 jours. C'est pas gagné que j'ai le temps la semaine prochaine. Même si du coup, j'ai des horaires allégés en fin de semaine. Voilà, je sais pas. Et la deadline va vite arriver, donc vraiment, il va falloir que je m'y mette. Là, je suis trop KO pour le faire, donc on va essayer demain. Hein, va falloir s'y mettre à un moment donné, hein, malheureusement. Mais du coup, voilà, j'ai fait un peu d'administratif avant le live. J'ai nettoyé les litières des chats. Et après, du coup, pendant le live, j'ai terminé la lecture du texte qui me restait. J'ai terminé la fiche de l'avant-dernier texte, donc il me reste plus qu'à relire. Et j'ai commencé à trier mes notes et à faire la notation pour la dernière fiche. Voilà, donc on est pas mal. J'ai écrit un petit peu, mais j'ai écrit que 100 mots et quelques. Ça m'a fait finir mon chapitre, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Et j'ai mis du coup 2 chapitres en alpha lecture. Je les ai relus et les ai mis en alpha lecture. Donc même si j'ai pas beaucoup écrit, voilà, j'ai quand même travaillé pour mes romans, on va dire. Voilà, là je vous fais l'update, je m'en suis arrêtée là. Je pense que je vais essayer de faire un peu de réécriture pour The Matchmaker en attendant que mon repas chauffe. Et concrètement, une fois que j'aurai mangé, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment KO. Et après, du coup, je prends encore à 7 heures demain. Donc après le repas, ça va être lecture et dodo, hein, concrètement. Parce que... Alors, hier, c'était moins... Enfin, cette nuit, c'était moins pire que celle d'avant. Mais j'ai encore pas super bien dormi. Je pense que c'est un peu compliqué de me remettre au rythme du 7h midi. Puisque ça faisait bien, je pense, 2 semaines que j'avais pas refait d'horaire si tôt. Et je pense qu'il y a une partie de mon inconscient qui est en mode t'es sûr tu vas pas louper le réveil? Donc j'ai pas des nuits tip top concrètement, donc ça n'aide pas. Plus en plus ça fait 2 matins de suite où le travail c'est un peu intense à cause des jours fériés qui arrivent, et donc du coup voilà, je suis clairement KO. Donc là je vais essayer de pousser un petit peu pour faire de la réécriture sur The Matchmaker pendant que le repas chauffe, et puis après voilà, on s'arrête. Surtout que c'est un repas qui est rapide que j'ai prévu parce que j'ai la flemme, donc je vais pas faire beaucoup. Voilà. Ouais, puis c'est tout, hein. C'est tout. Donc je vais vous laisser là. Je vais essayer de bosser encore un petit peu. J'ai pas encore fait de solo date et je sais pas si je pourrais faire. Et puis le chat devient fou. Mais voilà, on verra si s'il peut le faire ce week-end ou pas. Je sais qu'il fait beau demain, normalement. J'espère parce qu'il faut vraiment que je plante mes plantes. Celles que j'ai du moins avant qu'elles fassent la gueule. Déjà que mes fraises font la gueule. Donc ce serait bien qu'il fasse un beau demain. Donc du coup, ça se trouve demain, je vais pas beaucoup bosser. Parce que faut que je fasse du coup les impôts. Il faut que je fasse un peu mon jardin. On verra demain. Hein. Voilà. C'est tout du coup pour cette update. Et puis je vais essayer de bosser un petit peu et de préparer à manger.
se retrouve pour un update. On est mercredi 8 et il est environ 18h. Je suis plutôt contente de cette productivité. Là, je viens à peu près d'arrêter parce que j'avais fini à peu près tout ce que je voulais faire. J'ai pas écrit, mais dans l'ensemble, j'ai été super productive, donc je suis quand même contente. Je crois que juste après l'update d'hier soir, j'ai réécrit deux chapitres de The Matchmaker. Et ensuite, ça a été manger, lire, dodo. J'ai lu deux chapitres d'Akota. Oui, deux ou trois. Du coup, je suis à 68%. Ça doit être un truc dans le genre. Ah, bah, Nextory veut pas que je vois. Il a dit non. Bon, ça me saoule, ça met trop de temps. Mais normalement, c'était ça. C'était deux chapitres, donc je pense que je vais être aux alentours de 68%, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, du coup, aujourd'hui, je me suis d'abord mise sur mes impôts. Et franchement, donc, je suis pas sûre qu'on puisse dire que j'ai vraiment galéré. Par contre, j'ai mis du temps parce que je voulais être sûre de faire ça bien, de pas faire de conneries et de bien remplir et tout. Et du coup, j'ai checké plein de sites. Pour être sûr de ne pas faire de conneries. Parce qu'au début, j'ai eu du mal à savoir où est-ce qu'il fallait que je mette mes revenus d'auto-entreprise. Puis après, j'ai galéré à savoir comment je fallait que je remplisse l'annexe pour l'auto-entreprise. Donc, un peu compliqué, mais normalement, c'est tout bon. Donc, je suis plutôt contente. C'est une bonne chose de faite parce que j'étais persuadée que j'allais devoir faire en plusieurs fois parce que ça allait être trop galère, trop chiant, trop dur et tout. Alors que, en soi, je pense que c'est pas trop compliqué, surtout quand on est en micro-entreprise. Faut juste savoir comment faire, mais en fait j'avais pas grand chose à remplir sur l'annexe, c'était assez rapide, enfin techniquement. Donc non, franchement contente, c'est une bonne chose faite, alléluia. Surtout que le côté salarié en général c'est toujours facile, c'est pré-rempli, il y a juste à checker. Donc franchement une bonne chose faite. Après j'ai relu ma fiche, mon avant-dernière fiche des murmures littéraires, et je l'ai envoyée. Et donc, comme ça, il ne me reste plus que la dernière. Et après, je me suis mise sur mon jardin. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Parce que de base, je voulais planter toutes mes plantes que j'avais déjà, que je devais planter. Parce que j'en mettrais d'autres aussi, mais je ne les ai pas encore achetées. Sauf que je suis quand même restée déjà une heure dans le jardin. Et que j'avais encore du boulot. Donc du coup j'ai juste planté mes 5 plants de tomates et j'ai un peu retourné de terre parce que du coup j'ai pas fini techniquement de retourner mon jardin. Techniquement ce que je voulais faire, je voulais aussi planter donc les 2 plants de poivrons et les 6 plants de fraises. Sauf que j'espérais pouvoir faire dans la même lignée, donc qui est déjà retourné, les tomates et les poivrons. Mais en fait j'arrivais à la limite de là où je veux mettre du gazon artificiel. Et donc voilà, me faire une seconde terrasse, une terrasse bis entre guillemets, version herbe artificielle. Et du coup, je me suis dit les 2 poivrons ça va, enfin je vais pas pouvoir les mettre les 2 d'affilée. Et ça aurait été bizarre d'en mettre un au bout et un à l'autre bout. Du coup je me suis dit je vais essayer de faire mon coin. Parce que mes fraises elles sont... commence à faire la gueule concrètement. Donc j'ai voulu faire le coin tout au bout où je voulais mettre les fraises pour donc retourner toute la terre, mais c'était un peu galère. Je crois que j'ai atteint, un coin où c'était un peu compliqué. Donc j'ai quasiment retourné à peu près la moitié du coin que je voudrais faire en fraises, mais j'ai pas fini. Et en fait j'en ai eu un peu marre entre guillemets au bout d'un moment et je me suis dit que j'avais quand même déjà bien avancé, surtout que je sais qu'il fait beau demain. Donc je me dis peut-être qu'avant le live, je peux essayer de faire peut-être une demi-heure de jardin avant le live, à voir. Au pire, pour au moins finir de retourner le coin et peut-être de planter les fraises. Who knows? Mais du coup, voilà, au moins j'ai fait une bonne heure de jardin. Mes tomates sont plantées, donc c'est déjà un bon truc. Ma mère m'avait dit, vas-y, plante-les avant qu'elles fassent la gueule. Donc voilà, déjà ça te fait. Et ensuite du coup je me suis remise au boulot. J'ai eu du mal à me reconcentrer mais je me suis mise au boulot. J'ai écrit
Non, j'ai commencé par quoi? Non, j'ai lu la moitié de mon chapitre d'Alpha Pro. Je pense que je lirai la seconde moitié demain. Et du coup, j'ai écrit une section entière pour la fiche, la dernière fiche des murmures littéraires. Voilà. Donc quand même, même si j'ai pas écrit, vachement productif quand même. Donc là, ce que je vais faire. Ah oui, j'ai pas fini. Ah oui, j'ai pas fini. Après ça, aussi, j'ai posté mon post Instagram et j'ai mis en ligne mon TikTok. Qui ne sera pas un reel, parce que je trouve pas suffisamment intéressant pour que ce soit un reel. Parce que c'est plus un contenu TikTok, puisque c'est un filtre TikTok, qu'un contenu, je pense, Instagram. Donc du coup, il restera juste sur TikTok. Mais du coup, là, j'ai posté ça, donc bah ouais, productif quand même, mine de rien. Et voilà, et je m'en suis arrêtée là. Donc là, je pense que peut-être un peu tôt pour commencer à préparer le repas. Quoique. Un peu tôt, mais je vais essayer de me motiver pour au moins faire un peu de réécriture sur The Matchmaker. Je pense que ce sera tout. Parce que ce sera déjà pas mal. Si j'arrive déjà voilà, à faire peut-être 2-3 chapitres là de réécriture avant d'aller manger, je serais déjà contente. Et puis après on va se poser un peu. J'ai bien envie de me poser, enfin voilà, sur un jeu ou un truc, enfin vraiment détente. Donc je pense que je vais vraiment faire 2-3 chapitres grand max, et puis après on va se poser. Parce que la journée quand même, elle a commencé à 7h, donc voilà. Thank you.
petit update. On est jeudi 9 mai et il est 18h50 et je suis fatiguée. Je crois que ça se voit encore une fois. La journée était encore productive, hein, mine de rien. Déjà hier j'ai fait quoi après l'update? Je crois que j'ai fait un peu de réécriture. Je sais même plus quel jour on est, entre guillemets, enfin je suis un peu perdue. Mais oui, il me semble que j'ai refait un peu de réécriture hier. C'est hier ou c'est avant-hier? Je sais plus. Je sais plus. Bref, je crois que hier j'ai fait 2 chapitres de réécriture. Oui, si, oui, c'est ça. J'en ai fait hier, j'en ai fait avant-hier. Oui, ça doit être ça. J'ai fait que 2 chapitres, je crois, et après j'ai été manger. Puisque le repas était prêt rapidement. Et puis j'ai dû. En fait, j'ai été prise dans ma série. Si bien que j'ai pas vu l'heure passer. Et quand je me suis arrêtée en me disant je vais regarder le prochain épisode de série dans le lit, je me suis rendu compte qu'il était déjà 21h15 et qu'il était hors de question de regarder un autre épisode de 45 minutes alors que je me lève à 5h le lendemain. Donc je me suis dit, bon, tu te détends et tu vas lire un petit peu. J'ai dû lire un seul ou deux chapitres maximum. Ah non, j'ai pas lu. Mais non, j'ai pas lu parce que Nextory ne voulait pas fonctionner. Voilà, j'ai pas lu hier. Je viens de me rappeler. J'ai pas lu. D'ailleurs, je sais pas si Nextory refonctionne. Nextory en soi fonctionnait, mais il ne voulait pas m'ouvrir. Il ne voulait pas m'ouvrir un PL d'épines et de. Enfin, le Acotar tome 4. J'allais dire un palais d'épines et de roses alors que c'est pas du tout celui-là. Et en plus j'avais oublié de vous dire hier que quand j'ai fait un peu de jardin, j'ai commencé un livre audio, je crois que je vous l'ai pas dit en tout cas. Et c'est La fille du roi pirate et j'ai lu les 6 premiers chapitres je crois. Vraiment, en fait Nextory il est ouvert mais il veut rien ouvrir. Je crois que c'est sur tablette encore une fois mais bon. Bref, voilà. Donc finalement j'ai pas lu, je crois que j'ai dû traîner sur mon téléphone et puis m'endormir quand même plutôt rapidement. Voilà pour hier soir, donc pas grand chose finalement. Du coup, quand je suis rentrée ce midi, déjà j'ai été un peu déphasée parce que c'est vrai qu'en général quand je rentre il est quasiment 13h et quand je finis de manger il est bien 13h30, 14h. Et du coup ça m'a perdu dans le temps parce que j'ai cru que je streamais à 14h. Alors que non. Du coup, je suis rentrée vers midi et demi, grand max. Et j'avais fini de manger vers 13h. Donc du coup, j'ai fait un peu de jardin. J'ai fait que 30 minutes parce que mon sac d'herbe était déjà lourd. Et parce que justement, je me disais, je stream à 14h. Donc le temps de me faire un café, le temps de mettre devant l'ordi, de rentrer les chats aussi du jardin. Voilà, 13h30 j'arrête. Et bon, finalement je crois que j'ai arrêté un peu avant mon alerte, parce que je m'étais mise une alerte pour pas louper le temps. Et c'est peu de temps avant 14h où je me suis dit, mais en fait je stream pas hein, à cette heure là, c'est dans une demi-heure. Donc du coup j'en ai profité pour faire mon montage de la vidéo de demain, donc il me reste plus qu'à l'upload. Je pense que je ferai sans doute ça demain matin tranquillement, comme je prends qu'à 11h. Et voilà. Donc ensuite, là ça a été l'heure du stream. J'ai commencé par ma fiche des murmures littéraires. J'ai écrit 2 sections, comme ça il m'en reste plus que 2 demain. Et si j'ai le temps, je la relis demain. Sinon je la relirai samedi vite fait. Voilà. Comme il faut que je l'envoie samedi avant 20h. Quasiment la fin de cette première phase, alléluia. Et ensuite j'ai fini mon chapitre d'alpha lecture que j'ai commencé hier. Et j'en ai commencé un autre d'une alpha lecture différente, l'alpha lecture bénévole. Ça y est, je m'y mets enfin. Ça fait trop du bien de retrouver aussi ce manuscrit là, parce que ça faisait longtemps que l'autrice ne m'avait pas envoyé de chapitre. Voilà, très 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 contente. Et après, sur la dernière session, j'ai essayé d'écrire un peu. J'ai pas écrit beaucoup, mais j'ai écrit quand même. J'ai écrit 326 mots. C'est pas mal en une session. Voilà. Je pense pas écrire plus, parce que je suis vraiment fatiguée. Là, franchement, j'hésite. Soit je me fais un peu de réécriture, vite fait. Soit je fais mes cookies.
Je sais pas ce qui est de mieux, parce que dans tous les cas, je suis fatiguée. Après, c'est vrai que quand je cuisine et que je suis fatiguée, en général, ça fait pas bon ménage. Mais il me donne envie, c'est cookies. Ou voilà, ou je me mets sur ma réécriture, donc je sais pas trop encore. Vous verrez après. Peut-être que je ferai aucun des deux parce que je suis trop crevée, je ne sais pas. Je sais pas si je vais réussir à lire ce soir, puisque Nextory est assez capricieux. Non, ça va toujours pas. Mais voilà. Sinon, je pense que je vais me mettre devant ma série. Bah, et puis voilà, de toute façon, je prends déjà moins tard, moins tôt demain, donc ça va faire du bien. Et voilà. Thank you.
Hello, on est dimanche 11, 12. 12 mai et il est quasiment midi et demi. On se retrouve pour la clôture du vlog. Je suis plutôt contente de cette semaine, j'ai été plutôt productive, il y a des deadlines qui se sont terminés et c'est un soulagement hein, concrètement. Donc voilà, niveau bêta lecture, donc du coup je vous l'ai dit, j'ai terminé ma bêta lecture lundi, je l'ai envoyé directement à l'auteur, le délai a été respecté, tout ça, tout ça. Faut que je lui réponde sur son mail, comme quoi il a bien reçu, mais qu'il m'a envoyé le virement. Mais sinon concrètement voilà, ça c'est une chose de faite. Les murmures littéraires, du coup, j'ai envoyé la fiche hier, j'ai failli la zapper. Parce qu'hier on a eu des petits soucis, je vais vous dire ça après. Mais voilà, la première phase des murmures littéraires est officiellement terminée. Donc pareil, soulagement. Je sais pas quand est-ce qu'on va recevoir les manuscrits complets. Je pense que ça va être pile poil quand je vais être en vacances. Parce qu'il me semble que l'annonce des sélectionnés à la prochaine phase est faite le 1er juin. Et c'est pile quand je suis en vacances. Donc il y a moyen qu'on reçoive les textes dans cette date-là, dans ces dates-là. Je pense que je commencerai à lire peut-être pendant mes vacances, mais vraiment tranquillement, parce que ben j'ai vraiment besoin de me reposer pour de vrai. Mais voilà, au moins la première phase est terminée. Niveau écriture, j'ai pas tant écrit que ça cette semaine. Et encore que, je suis quand même plutôt contente parce que vendredi j'avais un. Je sais pas si on peut dire que j'avais de l'énergie en trop, entre guillemets, ou en plus. Mais j'ai eu de la motivation en tout cas, ça c'est certain. Donc. Est-ce que j'ai écrit lundi? Je ne sais plus. Lundi, j'ai pas écrit. Mardi, du coup, j'avais écrit une centaine de mots. Mercredi, j'ai pas écrit. Jeudi, j'ai écrit 326 mots. Et vendredi, j'ai écrit 890 mots. J'avais dit oui, vendredi, je fais 11h-16h. Pas sûr que j'ai le temps de beaucoup travailler. Finalement, j'ai été super satisfaite de mon vendredi parce que je me suis pas levée trop tôt non plus. Il devait être. Je crois que j'avais dû mettre mon réveil pour 6h40 ou 7h peut-être même. Et je crois que grosso modo, j'ai dû commencer à travailler tranquillement vers 8h. Sachant que je partais à 10h et quelques. Donc en 2h, du coup, j'avais terminé ma fiche pour les murmures littéraires. J'avais fini mon chapitre d'alpha lecture que j'avais commencé le jeudi. Et j'avais programmé vidéo et post Insta pour l'après-midi. Sauf que du coup, niveau écriture, en fait, j'ai écrit. Je sais plus si c'est à l'aller ou au retour que j'ai écrit. Bah non, bah. À l'aller, les deux en fait. À l'aller, au retour. Sachant que je me suis un peu baladée en ville après être sortie du boulot. Parce que je voulais aller à la Fnac. Bon, j'ai pas pris avec moi le livre. Je voulais aller à la Fnac parce que je me suis dit, bon bah voilà, en rentrant du boulot, j'irai à la Fnac prendre le prochain livre de la lecture commune qui est L'Engrange-temps. Je sais que le relié il est presque introuvable ou alors extrêmement cher. Donc je me suis dit, bon, on va pas se prendre la tête, je vais prendre le brochet. J'ai pas trouvé le brochet à la Fnac et du coup j'ai craqué pour autre chose. J'ai pris. Je vous mets l'image là parce que j'ai la flemme de me lever. J'ai pris L'héritier insoumis de Daniel Jensen. Voilà. Tant pis. Je pense que je prendrai L'Engrange-temps en numérique. Je crois qu'il y a quelqu'un sur le Discord qui a dit qu'il était à 6,99. Donc je le prendrai en numérique. C'est pas si grave. Et au pire, bah, s'il me plaît vraiment, je le prendrai en papier une autre occasion. Donc voilà. Mais du coup, ouais, j'ai écrit à l'aller du trajet et au retour. Et en fait, avec ce beau temps et tout, quand je suis rentrée, il devait être
17h30-18h, plus 18h je crois. Et déjà j'ai arrosé mes plantes et tout, j'ai planté mes fraises et comme ça il me reste plus que mes poivrons à planter. Et après, du coup, déjà je me suis mise un peu dehors, j'ai fait du coloriage numérique sur la tablette dehors. Et en fait, le soir, j'avais envie d'écrire et il me restait un peu d'énergie. Et donc, du coup, je me suis mise sur ma terrasse avec mon petit plaid, ma petite boisson et mon ordi portable et mon enceinte et tout. Et du coup, j'ai écrit, ce qui fait que du coup, vendredi, ouais, j'ai écrit quasiment 900 mots. Parce que du coup, entre les trajets et le petit regain de motivation en fin de soirée, enfin dans la soirée, ça fait que voilà, du coup, j'ai écrit tout ça, entre guillemets. Donc j'étais grave contente d'avoir ce regain d'énergie-là et de me dire, let's go, ce soir, je reste pas juste devant un film et j'écris. Et ça, c'est. Le printemps, il me fait souvent cet effet-là. Voilà, niveau productivité, je vous ai à peu près tout dit. Niveau réseaux sociaux, j'ai pensé à tout. Sauf ma vidéo d'avance de la semaine prochaine, donc ça veut dire qu'il faudra que je reprenne de l'avance la semaine pro, mais je l'ai pas fait cette semaine. J'ai complètement zappé, à vrai dire, j'ai complètement zappé. Voilà, c'est honnête, hein. Mais sinon, j'ai pensé à tout le reste. Quoi d'autre? Niveau productivité, c'est à peu près tout. Niveau écriture, niveau lecture, il y a eu, je crois, minimum 2 soirs où j'ai pas pu lire parce que Nextory buguait sur ma tablette et ça me faisait chier, donc du coup j'ai laissé tomber. Mais sinon, je crois que j'ai commencé le début de semaine en étant à 64% sur Acotar et maintenant je suis à 72%. On avance vraiment très doucement, j'ai l'impression que c'est à peu près 1% par chapitre. Donc c'est très très lent et du coup c'est un peu frustrant parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Mais on approche doucement de la fin. Et du coup, je vous avais dit que j'avais commencé un nouveau livre audio, qui est La fille du roi pirate. Et depuis que j'ai lu quand j'ai fait mon jardin l'autre jour, j'ai pas relu. Donc je suis à. Donc je suis au chapitre 7 sur 24. J'avais pas vu qu'il y avait aussi peu de chapitres par contre. Donc il va être rapide. Voilà. Sinon, niveau. Niveau lecture, niveau recette, j'ai fait du coup mes cookies hier. Alors j'ai pas réussi à avoir la texture, enfin, je pense que j'ai sans doute merdé soit sur le temps que j'ai mis au frigo, frigo slash congélateur, soit sur ma cuisson, potentiellement même les deux, mais du coup la texture n'a pas été celle que je voulais. Il y en a où on s'approche de la texture, il y en a où c'est complètement, j'allais dire dur, j'abuse, mais c'est croquant quoi. C'est pas la texture moelleuse que je voulais comme les précédents cookies. Et en plus, dans ceux qui sont du coup croquants, on sent beaucoup moins le matcha que dans les quelques-uns jusqu'à présent qui étaient un peu mous. Donc je suis un peu deg. En plus, le chocolat blanc, pareil, il a trop cuit, il est dur. Je pense que j'ai ouais, merdé autant sur le temps de cuisson que sur le temps au frigo. Donc un peu déçue, je sais pas si je referai, sachant que déjà le matcha c'est cher. Donc si en plus je me loupe un peu sur la recette, un peu dégoûtée, mais ils sont bons quand même. Et niveau solo date, alors je l'ai pas fait, mais figurez-vous que j'ai de très bonnes raisons. Déjà de base, donc il a fait beau tout ce week-end, donc trop bien. Donc je me suis dit, je vais profiter de fou et tout. Ça va être trop bien. Je m'étais dit, le matin, je m'étais fait un thé glacé. Enfin, j'avais préparé un thé pour le mettre au frigo et me faire un thé glacé pour l'après-midi. J'avais mes cookies du coup. Et je m'étais dit, je vais gonfler mon vélo et je vais aller au parc qui a pas très loin de chez moi. Bon, en vélo, du coup, c'est un peu de la triche. Il a même pas 5 minutes. Et faire le tour du parc en vélo. Comme ça me fait faire, entre guillemets, un peu de sport aussi. Et balade à vélo, quoi. Et me poser après dans le parc et lire et écrire. J'avais tout mon programme et tout, et je m'étais dit, j'y vais pour le goûter et tout, avec mes petits cookies et mon petit thé glacé. Sauf qu'on a fini aux urgences veto à la place. Alors, rien de grave, plus de peur que de mal et beaucoup d'émotions. Mais en fait, en fin de matinée, j'ai voulu brosser les chats, comme je le fais souvent
avant de passer à l'aspirateur, comme ça, voilà, ça évite d'avoir des poils qui retombent juste après avoir passé à l'aspirateur. Sauf qu'en brossant Onyx, j'ai eu du sang quand j'ai brossé sa queue, et il a miaulé comme s'il avait eu mal. Donc du coup, j'ai dû l'inspecter, et c'est là où j'ai découvert une plaie en fait sur sa queue. Moi, en plus paniquée, c'est la première fois que j'ai un de mes chats qui est blessé. En plus, je savais pas comment ça avait pu se passer. Je me suis dit, est-ce que du coup, il a, je sais pas, genre des puces, et que du coup, il a une sorte de dermatite, ou voilà, où il avait une sécheresse ou un problème de peau qui faisait que du coup, il s'est trop léché, ou il s'est, je sais pas. Donc, grosse panique, je me dis. Et je sais qu'en plus, les urgences vétos, ça coûte une blinde, quoi. Donc, voilà. Mais bon, je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça. Mon véto était déjà fermé. Genre, j'ai vu ça 30 minutes après que mon véto soit fermé. Voilà, donc du coup, un peu panique à bord, mais on a été directement du coup aux urgences véto. C'était trois fois rien, enfin, trois fois rien. Il a une belle plaie, sans doute pas ce qu'il aurait mordu. Mais du coup, je suis pas sortie parce que j'ai voulu rester avec eux pour plusieurs raisons. La première étant qu'il fallait que surveiller qu'Onyx se lèche pas. Parce que voilà, elle a pas mis de collerette, mais elle a dit bah, si jamais par contre il se lèche, faut mettre une collerette quoi. Donc surveiller ça, être vers lui quand même. Parce qu'il était du coup, il était tout émotionné de la matinée, il s'est passé trop de trucs et tout. Parce que du coup, en plus, je l'ai un peu embêté en l'auscultant, parce qu'il aime pas ça, en plus, c'est la queue, donc il aime pas qu'on lui touche la queue, etc. Comme beaucoup de chats. Donc, ça faisait beaucoup de choses. En plus, du coup, ils ont dû le raser, ils ont dû le désinfecter. Donc, voilà, quand on est rentré, il était clairement agité, il était pas bien. Bon, finalement, une fois qu'il s'est posé, il a dormi toute l'après-midi. Mais du coup, Topaz aussi était très stressé. Ils le sont encore, ils mangent très peu. Donc du coup, ben j'ai un peu abandonné mes plans. Du coup, ouais, j'ai annulé les plans pour pouvoir ben, rester vers eux, qu'ils soient moins stressés, qu'ils se calment un petit peu, et surtout voilà, vérifier l'état d'Onyx. Puis du coup, même moi en fait, j'étais toute perturbée, toute inquiète. Donc du coup, ben j'ai dit bon, tant pis, on reste tranquille. Du coup, j'ai regardé une série, j'ai refait mes ongles, voilà, je me suis posée, j'ai aussi moi-même essayé de faire redescendre les émotions parce que j'étais très paniquée le matin quand j'ai découvert sa plaie. Donc voilà. Heureusement, plus de peur que de mal. Il a l'air de plutôt bien s'en remettre. Déjà aujourd'hui, sa plaie a l'air plus propre. Je veux pas trop me prononcer, j'ai peur de me porter malheur. Mais voilà. Les petites mésaventures, c'est la première fois qu'on va aux urgences veto. Donc ouais. Ça m'a un peu. J'allais dire tuer mon week-end, c'est abusé. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'avais tous mes petits plans et tout. Donc j'espère pouvoir faire ce solo day que je m'étais prévu la semaine prochaine. Mais je sais que la semaine prochaine, il fait. Enfin, la semaine en tout cas, le week-end, je sais pas, mais la semaine, il fait mauvais. Donc c'est pas gagné. Je suis un peu dégoûtée, hein. Parce que du coup, c'était. Bah, on avait un temps de fou, des températures de fou. Je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Donc, clairement deg, mais bon, je préférais être avec eux et les rassurer avec ma présence plutôt que de les laisser que potentiellement, je sais pas, ils se battent ou que lui il lèche sa plaie ou que elle lèche sa plaie à lui. Voilà. Donc, pas de solo date. La journée a été assez mouvementée comme ça hier, donc on n'a pas cherché plus loin. Et puis voilà, je pense que cette fois je vous ai tout dit. Donc ouais, la semaine, il y a eu pas mal de fatigue parce que ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait quasiment toute une semaine à prendre à 7 heures. Et en plus au boulot, c'était assez intense parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Pas moi, mes collègues ou mes patrons. Mes responsables et tout, mais voilà, disons les gens avec lesquels on travaille ont fait n'importe quoi et nous ont mis beaucoup plus de boulot que ce qu'on est censé avoir, tellement ils faisaient n'importe quoi. Donc la semaine a été super intense pour ces deux raisons-là. Enfin, non, elle a été un peu intense et il y a eu pas mal de fatigue, notamment à cause de ça, du coup.
En plus, j'ai quand même pas mal poussé les aprèmes parce que ben, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de journée où je finissais du coup mon boulot alimentaire à midi que du coup je poussais un maximum. Il y a eu plusieurs soirs où je travaillais jusqu'à 19h, voire plus. Donc du coup, ouais, pas mal de fatigue forcément, mais ça va se calmer. La semaine prochaine risque d'être un peu intense, mais c'est à cause de mes trajets à Paris. Mais sinon, j'ai pas de deadline là tout de suite maintenant proche, comme j'ai terminé les deux principales, donc ça va pouvoir se calmer. Ah oui, si, je vous ai pas dit aussi au niveau des alpha lectures ce que j'ai fait. J'avais au total sur cette semaine techniquement deux chapitres par alpha lecture et j'en ai lu un par alpha lecture. Donc c'est pas dégueu et je pense que je vais pouvoir largement du coup faire les deux qui me restent la semaine pro concrètement. Et je pense que pareil, je vais pouvoir beaucoup plus écrire du coup la semaine pro puisque bah, même si j'ai mes trajets à Paris, enfin mon trajet à Paris, parce que j'en fais pas plusieurs, bah, mine de rien quand même, sachant que j'ai plus de BL pro et pas de murmure littéraire pour l'instant. La semaine va, ça va me faire bizarre, mais la semaine va être beaucoup plus light. Donc ça veut dire que jusqu'à mes vacances, le rythme va vraiment ben, être beaucoup plus calme. Et ça va faire trop du bien. Trop du bien. C'est un peu un avant-goût des vacances finalement. Donc trop cool, je suis trop contente. Ça fait du bien quand même, mine de rien, de me dire que j'ai plus autant de boulot. Au moins pour les deux, trois prochaines semaines. Franchement. Ouais, je vais pas vous mentir, c'est un petit soulagement quand même. Parce que ça faisait quand même beaucoup. Surtout ces 2-3 dernières semaines, la bêta lecture plus les murmures littéraires, ça faisait vraiment beaucoup. Plus les alpha lectures, ça faisait quand même beaucoup. Je commençais, je pense, un peu. Pas à saturer du boulot en lui-même, mais saturé niveau énergie et fatigue. Donc, trop contente. En plus, voilà, forcément, je finis la semaine. Je finissais cette semaine avec un grand soleil et des belles températures. Donc. Pareil, ça fait un petit reboost au niveau du moral et ça fait trop du bien. Donc voilà. Franchement, malgré la fatigue et malgré voilà, le fait que j'avais quand même pas mal de boulot, trop bonne semaine. Ouais, trop bon. Peut-être que c'est juste qu'elle finit bien et donc, du coup je reste sur cette positive. Et du coup je me dis, trop bonne semaine, trop bon mood. Ou juste. La semaine globalement a été quand même plutôt agréable et positive. Peut-être qu'aussi c'est parce que je finis mes deadlines, donc pareil, je suis un peu plus soulagée, donc c'est plus positive, je ne sais pas. Mais franchement, je suis plutôt contente de cette semaine. Et voilà, j'ai arrêté de parler parce que la clôture devient beaucoup trop longue. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, et je vous fais des bisous. Ciao!